C'est vrai que beaucoup de monde ont dit que l'histoire manquait de détails, là. Ben, pour les visiteurs. Ouais, c'est ça, parce que ferme ta gueule. Ben non, il y en a d'autres des Illigates, genre qui s'occupent de du fucking ouais des tu sais genre le monde qui s'occupe de ouais mais attends c'est parce que je fais deux choses en même temps ok mais là bon. Les gens là ouais les ranch là ceux qui s'occupent de qui s'occupe de ça genre. Mal peigné, c'est vrai, ça arrive souvent. Qu'est-ce que what? Si moi, t'as-tu essayé au moins? Parce que là, tu me désespères, là. En plus, il devrait pas être cher, vu que, genre, il est 3... Un truc que tu mets dans tes mains, là, il y a des trucs en plastique dessus, qu'on appelle joystick, puis... Ben, quand tu mets tes mains naturellement dessus, tu tombes sur un autre truc qui s'appelle des boutons. Puis usuellement, en 2017, ça se plug par USB. Ben, parce qu'il va te dire d'allumer. Ben oui, le jeu, il augmente de difficulté chaque fois que tu fais une Dorian Beast. Oui! Genre, quand tu fais une Divine Beast, là, la prochaine est tout le temps plus dure que la précédente. Peu importe l'ordre que tu fais. Genre, les ennemis qui vont te trouver dedans vont faire plus mal. Genre, au fur et à mesure de ton aventure. Au fur et à mesure de ton aventure, les linelles puis tous les ennemis que tu vas croiser. Ils vont augmenter de niveau, ils vont avoir différentes couleurs qui vont apparaître, ça veut dire qu'ils sont plus forts. Pour au final avoir que des blancs. Parce que oui, les blancs c'est la race supérieure, pas de question. Je veux pas toucher à ça. Surtout que, vous savez c'est quoi l'ironie? J'ai dit ça en live. Qu'on a juste entendu moi parce que vous autres on vous entend pas. Je pourrais me faire ban, genre. Celle-là qui est pas là, est pas là.
Epona. Ah oui, attends, le celui qui se sauve là. Je trouvais que tu. Parce que c'était drôle parce que t'as crié après que je suis mort. T'as ri après que je sois mort, je suis comme sniff. Oh shit, je vois pas ça comme ça, genre, c'est moins le fun. Je vois pas ça comme des grosses salles de test, sinon c'est chiant. Moi je me pose toujours la question, where is Portal 3? Where is Half-Life 3? Where is the 3 in the Valve universe? Wow! Oh non. Pas changement. Tu vois comment là? Ben j'imagine que ce que la solution est à gauche de toi. Ça. Ouais, quelque chose comme ça. Il semble qu'il y a un gros ventilateur en haut. Ouais, ben c'est ça, faut que tu montes en haut. Il me semble que c'est la solution. Yeah, je viens de trouver un triangle.
J'en ai mis partout. Oh. Yeah, un arc de chevalier inutile. It's what you think. Ah, fuck off. Ah bah oui, mais faut juste que je sois... Faut juste que je sois riche. Oh shit. Les cubes dans l'épisode de Doctor Who, ils l'attaquent. Ils vont l'arrêter, ils vont arrêter son, comment ça s'appelle? Ils vont arrêter son cœur. C'est la théorie, genre. Pourquoi il meurt? Yay! Yuta, il est mort. Bon, bah, je viens de battre à mort un lion en cage. Que ça commence à me la recette du vieux là. Ouais, oh, mais faut le. Mais y a d'autres manières de l'avoir le doublé là. Parce qu'il te le donne comme ça, mais tu peux parler au vieux monsieur sur la montagne, il va te le donner. Ouais, il dit genre, ah bravo que tu t'es rendu ici. Genre, je suis fier de toi. Tiens, voici un doublé. Oh, c'est quand même un tiss. Hey, je te donne le droit de monter sur l'échelle. Par contre, l'échelle, il est dans le mauvais sens. Je pensais être capable de faire ça, faire briser 5 cibles.
Oh non! Oh non, fuck my life. C'est tout de suite l'épreuve de la mort. T'as dit tes choses, tu vas où? En fait, quand ils disent accepter ou non, ils doivent vérifier plusieurs paramètres comme l'adresse. Est-ce qu'il y a des antécédents à cette adresse-là, genre de... On se fait niaiser. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben en fait, moi je dirais qu'elle doit jouer à la version 3DS. Parce que, à moins que... Mais Majora Mask, elle doit y jouer sur 3DS aussi. Ou ça y prend quelqu'un d'expérience comme moi, ou une solution. Parce que, je sais pas qu'elle conne, c'est juste que c'est un jeu qui est vraiment dur. Jean-Luc, justement, il me demande des conseils tout le temps, il... Genre, si je dirais pas comment faire le jeu, genre... Il dit genre, tabarnak, j'en ferai les affaires genre 40 000 fois, genre. Ben, c'est pas juste ça. C'est, le problème avec Majora Mask aussi, c'est que les événements là. Ouais, genre, ils te le disent, mais faut que tu trouves l'information. Y'a personne qui te dit ces informations que t'as là, fait que le monde n'a pas aimé le jeu. Certains, parce qu'il y avait pas ces informations là. Il se prend mieux en main, c'est juste que les versions 3DS ont apporté des éléments de gameplay qui permettent de rendre le jeu plus facile pour les nouveaux joueurs. Donc par exemple, le temple de l'eau. Je niaise même pas. Si tu réussis à avoir le temple de l'eau en version originale sans solution, c'est cool, c'est badass. T'es encore là? Ok, t'as-tu compris ce que j'ai dit? Je sais pas si t'es d'accord. C'est quand même pas facile le temple de l'eau là. Ouais. Tu fais le temple de l'eau sans solution. Ouais, t'as struggle pas mal, ouais. Tu vois. La version 3DS, félicite certains trucs comme, parce qu'elle dit genre quel stèle va réduire quel niveau de l'eau, puis il y a des tracés lumineux sur les murs qui disent où est-ce qu'ils sont. Ça, ben ça félicite grandement la vie. Ouais. Sur ta Wii? Ok. Ah ben c'est ça, t'as des pointeurs qui t'indiquent une zone où aller, pis ça c'est correct. Puis Majora Mask, l'autre problématique c'est... Ben, il y a beaucoup de quêtes secondaires. Mais la manière de savoir ce que t'as à faire est
Et pas. Et pour l'époque, c'est pas si pire là. T'as un bloc-notes qui t'aide là, mais il est pas tant helpful aussi parce que. Genre, il est pas clair là. La version 3DS améliore ça parce qu'en plus, c'est très facile à obtenir. Puis la version 3DS empêche aussi les pertes de temps inutiles parce que tu peux avancer le temps à ta guise au lieu de. Ah! Bon ben, lever, coucher, puis c'est tout. Là, tu peux y aller en nombre d'heures que tu veux skipper. J'ai vu ça. Ouais. Très probable. Son ordinateur est pas assez fort pour le runner. C'est drôle. Ouais. J'ai des choses qui arrivent. Oh ouais. Vu de même. Tintintin. Non! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce petit craquement là? Ah ouais? Je pensais que tu te masturbais génétiquement. Sinon tu me l'as pas dit, ça fait combien de temps que t'es avec Nick? Je croirais pas des nombres d'années. Parce que tu m'as dit par internet. J'aime ça la précision sur bonne foi, genre. Si bois, t'avais de l'imagination. Qu'est-ce que t'as dit? Oh shit! Ah ouais, c'est vrai!
Toi, Mick, tu connais ça, Saiyan Uita? Ça te dit rien? Song of Saya. C'est un visual novel. Je sais pas trop, je ne connais pas, c'est juste que Shalom me l'a recommandé, puis il est vraiment weird. Genre horreur. Genre, il est adulte aussi. Ouais, non, c'est vague, c'est comme. Hey, t'as-tu vu le manga? Genre, quel type? Je sais pas. Oh shit! Je viens de ramasser une Nintendo 64. Ouais, il y avait une Nintendo 64 dans WarioWare. En gros. Oh shit. Conquer Bad Fur Day. Un jeu en plus qui s'est pas bien vendu, puis un jeu que je possède, un jeu que j'ai acheté, et je niaise même pas, j'ai dépensé 200$ pour la cartouche. Tiens, j'ai envoyé un lien, Mick. Ouais, mais par contre, si tu joues à ça, non, ben l'affaire c'est que je l'ai streamé moi, ce truc là. J'aurais pas dû. Because hentai? Horreur et hentai. Je te le recommande. Genre, c'est vraiment genre, je regrette pas d'y avoir que Charlot m'ait gossé pour que j'y joue. Oui, c'est assez particulier, ouais. Ah oui, joue à Undertale, sérieux, genre. Moi, j'ai gossé Mick pour qu'il joue à Undertale, il me semble. Comment t'as joué à Undertale déjà, là? Ouais, mais est-ce que je t'ai gossé ou quelque chose de même? Ouais. Puis il a fini le jeu. Toutes les fins. 7 fois, Callis. Ouais. En gros, c'est vraiment bon. Par contre, la première fois que tu joues, fais ce qui te plaît, fais ce que tu veux. Puis après ça, t'en referas le jeu de différentes manières. Essaie d'apprendre le gameplay, là. Mais. Après ça, genre, tu refais le jeu puis tu découvres tous les petits secrets, genre. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Hein? C'est marié avec Papyrus, quand même. Ouais. Puis jamais la langue de. Comment il s'appelle là? Tu sais, quand on dit la langue de Molière, quoi? Je lui dérange, mais il y a des patchs français là qui sont bien faits. Ouais, c'est Shakespeare en fait, ouais. Genre, mais Shakespeare te dérange, il y a des patchs français. C'est comme. Il y a un autre jeu que j'ai fait là dernièrement, c'est. Ouais, mais ça y est, une Uta, il y a un patch français qui est vraiment bien fait. Sayano Huta,
un patch français qui est bien fait, c'est sur comme ça que j'ai joué. Ok, ben ça se peut, je dépasse souvent. Mais l'autre truc, c'est mon avoir. Vraiment, je ça vient pas, je sais pas. J'ai joué un autre visual novel, Doki Doki Literature Club. Puis ça a l'air cliché au bout parce que Charlotte m'a présenté Saya Noita. Saya Noita, il me l'a présenté parce que j'ai voulu jouer à Doki Doki Littérature. Puis genre, Charlotte, il dit, oh, il a l'air plate puis cliché, genre, je joue pas à ça. Genre. Puis finalement, j'ai restreamé Doki Doki Littérature Club à la suite que j'ai vu une vidéo qui m'a montré que le jeu venait vraiment bizarre et fucked up. J'ai dit, Charlotte, fais-moi confiance, ce jeu-là va être bon. Laisse-y sa chance là, on va passer l'histoire genre un peu genre nulle là, tu vas voir il va être bon, mais après ça il était peut-être en train de suivre mes streams genre ah oh, c'est fucking bizarre, il arrête pas de glitcher le jeu. Puis il fait comme Undertale aussi, il joue avec les fichiers du jeu. Puis je vais pas te dire, je vais te le dire même si genre tu vas pas faire comme moi j'imagine. J'imagine que tu fais pas ça toi, mais moi je l'ai pas fait justement. Sauvegarde, fait qu'il te propose des choix, fais pas comme moi. Ben dans Sayonara Noita, il y a 2/3 choix. Puis j'ai pas sauvegardé au premier, fait qu'il a voulu que genre je marche, martèle mon clavier pour me rendre au choix. Le seul vrai problème avec Saya Noita, c'est que c'est un jeu qui a été fait. Tu sais, aujourd'hui, c'est UTF-8 qui m'expliquait, Charlot. Mais ça a été fait avant ça. Puis ça sort au Japon. Ouais, mais il a été fait sur. En tout cas, faut. En gros, genre, faut que tu mettes un truc qui s'appelle app local, là, puis ça va marcher. Ben, en vrai, là, je peux faire quelque chose de simple, mec. Genre, très très simple. On va aller voir. Ça, on va monter, monter, monter. Long. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je copie le lien puis je l'envoie. Ça. Un pack ready à utiliser, tu vas juste installer App Local. Et c'est pas genre d'une source non fiable, c'est Charlot qui me l'a fait. Ça devient de son Dropbox. T'as le patch français avec, il me semble.
Alright. C'est quoi déjà le boss? Ah, oh, t'as rien d'essayer d'activer la Demon Base. Ok. Oh oui, les deux dragons! Ils sont tellement laids! Et Otis. I'm number one! Oh shit! Ça va pas si bien que ça la vie de Colin. Si boire, genre c'est si brutal à ce point là. Un peu oui! Si. Ah ben moi aussi je comprends, genre si je fais tout le temps ça avec les gens. Un peu câble. Touche pas à ça.